fort sec. Hein. C'est sec. Oui, c'est, bah, il y a le saké avec. Ah, mais c'est sec comme gâteau. Bah oui. Nous allons la retirer de saké. Son Excellence l'ambassadeur du Japon, si vous voulez bien se préparer à la manœuvre pour fendre le tonneau d'un grand geste, un seul coup, ce qui va permettre un seul coup, très haut le maillet, très haut, très fort. Prêt ? Merci beaucoup. Maintenant, nous allons avoir le partage du contenu du tonneau de saké. Vous venez vous servir, vous déguster dans les massues de saké. Vous assistez au partage du kekami bushi, le kekami bushi, pardon. Au Japon féodal, chaque famille des bushi, donc des guerriers inférieurs, offrait le kekami bushi, gâteau de riz en forme de miroir au roi, aux chefs de famille, aux samouraïs et à leurs shogun, et priait ensuite pour le succès dans les combats. Quant à la symbolique du tonneau, on la doit au shogun Tokugawa, qui fut le premier, il y a 300 ans, à introduire cette cérémonie traditionnelle avant de partir en guerre. Il brisa le couvercle d'un tonneau de saké afin de le partager avec ses daimyos et samouraïs. Ils remportèrent la victoire, et de là, la tradition est née. Monsieur le Président, attendu. Campagne. Santé, bonheur pour l'année 2016. Vive le Kagami 2016. Merci beaucoup. Ah ouais.